Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente enfin la Tesla Model Y. Ça faisait vraiment pas mal de temps que je voulais le faire et j'ai réussi à en avoir une début 2023. Cette année commence bien. Tesla s'est dit, bah tiens Nico, Mécanique Sportive, on va te prêter une Tesla Model Performance. Performance, c'est la version la plus puissante de cette Model Y. À chaque fois, il y a les versions Performance également sur la Model 3, sur cette Model Y. Et ensuite, il y a même les Tesla, mais Tesla, c'est le modèle plaid. J'espère pouvoir l'essayer très prochainement. Je compte sur Tesla. On espère le faire parce que là, 1020 chevaux, ça doit être la folie et j'ai hâte d'essayer ça. Donc aujourd'hui, je vous présente cette voiture en détail, comme d'habitude. Model Y, c'est la base d'une Model 3, donc c'est le même châssis. Elle reprend quelques éléments, même jusqu'à 75% de la Model 3 exactement. Ensuite, c'est un véhicule un petit peu plus spacieux, plutôt typé SUV. On va voir en détail les fonctionnalités et autres. On va se faire un trajet assez long, voir les consommations. On va partir de Paris, aller jusqu'à la pointe normande et revenir avec une supercharge au milieu, voir en même temps les statistiques, tout ce qu'il y a à propos de cette auto. On va bien sûr se faire un petit test un peu plus dynamique, voir les performances que cette voiture a également. La Tesla Model Y, ça commence à partir de 49 990 euros. Ensuite, il y a la Model Grande Autonomie, qui sera une 4 roues motrices. La première, elle sera juste propulsion avec une batterie un petit peu plus petite. Ensuite, il y a la grande autonomie, plus grosse batterie et 4 roues motrices, donc deux moteurs, un à l'avant et un à l'arrière. Et ensuite, cette modèle performance qui sera, elle, à 79 990 euros, sur lequel on aura quelques petites options comme la couleur, enfin, pas sur la performance, mais on aura en option sur les modèles Y, la couleur, les jantes, le crochet d'attelage, les sièges à l'intérieur. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, il coûte 73 000 euros. Bon, on a une grosse autonomie, des moteurs, de la puissance, un véhicule qui est assez sympathique et surtout beaucoup de technologie. Ça, je vous en reparle à l'intérieur. Bon, Tesla, on commence quand même plutôt à connaître. La spécificité de ce modèle performance, c'est qu'à l'arrière, on a une petite lame en carbone. On a des jantes plus grandes en 21 pouces qu'on peut avoir seulement en 20 pouces sur les autres versions. Et plus de puissance puisque il ne nous annonce pas vraiment la puissance chez Tesla, mais on a un 0 à 100 en 3 secondes 7, ce qui est plutôt vraiment correct. Donc au niveau des performances, cette Tesla 0 à 100 en 3 secondes 7, une vitesse limitée à 250 km/h, ce qui est plutôt pas mal. Une autonomie annoncée pour 514 km, on peut aller jusqu'à 577 pour la grande autonomie, il me semble. Et après, ça va jouer un petit peu, selon la taille des jantes et autres, eh bien ça influera sur l'autonomie de cette voiture. Au niveau de la charge, pour cette Tesla, on monte jusqu'à 250 kW. Ça, c'est la puissance maximum et les chargeurs, les superchargeurs, pareil, ils sont à 250 pour la plupart. Ça, c'est pour les plus hautes versions et la première version, la standard, elle commencera à 170 kW de puissance de recharge. Ensuite, sur la grande autonomie et sur la performance, on montera à ce moment-là jusqu'à 250 kW. Nouveauté sur cette modèle Y performance, c'est qu'on a également le trackpad qui est apparu il n'y a pas très longtemps et également pendant le Holiday Update, c'est ce que vous avez comme mise à jour une fois par an. C'est la grosse mise à jour annuelle, en gros pendant les vacances de Noël, qui a apporté pas mal de nouveautés également sur la tablette à l'intérieur, qu'on a une tablette de 15 pouces. Au niveau du poids de cette voiture, elle fait 1995 kg. Ils ont voulu rester vraiment en dessous de 2 tonnes, parce que bon, 2 tonnes psychologiquement, on se dit oui, c'est commence à faire lourd, mais même juste seulement 1995 kg, même 2000 kg, eh ben, c'est plutôt léger pour une voiture avec une si grosse batterie, une grosse autonomie, autant de puissance, des grandes roues comme ça. On reste plutôt contenu. Au niveau de la taille, voiture de 4,75 m de long, assez large, 1,92 m de large et 1,62 m de haut. Particularité sur cette voiture, c'est que d'ici à tout ici, c'est un bout de verre pour tout le toit panoramique et d'ici à ici, c'est du verre pour le pare-brise avant et jusqu'au bout ensuite, c'est du verre pour la vitre arrière. Au niveau de la garde sol, on est à 16,7 cm, ce qui permet de passer des petits trottoirs et autres, mais c'est pas vraiment une voiture tout terrain.
La clé de cette voiture, c'est mon téléphone. Et si je veux l'ouvrir, ça fonctionne de cette façon. Je vous montrerai si j'ai le temps et j'essaierai de refaire plus en détail une vidéo dédiée à l'application et aux écrans à l'intérieur. On en parlera un petit peu aujourd'hui, mais ça va être compliqué parce que j'ai un timing assez serré sur la présentation de cette auto. Dans les options que vous pouvez prendre également, c'est le mode autopilote. Il y a l'autopilote avancé et le full auto. Le full auto, il n'est pas forcément très utile en France, plus dans les pays comme les États-Unis où la voiture va conduire absolument toute seule. Elle fera tout toute seule, mais en Europe, c'est compliqué. On peut avoir la conduite de niveau 2, mais pas aussi avancée que ça. L'autopilote avancé, c'est ce qui va vous aider à, lorsque vous êtes sur l'autoroute, en mettant le clignotant, à pouvoir changer de fil automatiquement. Elle va pouvoir faire le stationnement auto, sortir automatiquement et autres. Alors, c'est des petites options supplémentaires. Sinon, de base, on a quand même le régulateur adaptatif. Sur cette voiture, on a vraiment pas mal d'options hein, directement. Les essuie-glaces automatiques, les feux automatiques, les sièges chauffants, le volant chauffant. Tout ça, c'est des options qui sont déjà données de série sur toutes les Tesla. Bon alors, sur l'avant, les Tesla, ça reste toujours très très simple, hein, bien épuré. Et ça joue également pour l'aérodynamique. Comme vous pouvez voir, c'est que des lignes assez fluides partout. Les feux. Hey, je t'ai pas demandé de te refermer, toi. Donc, je rouvre parce que je veux que vous ayez les petits feux ouverts. Donc, on voit les clignotants. Je fais tout avec la voiture comme ça. Enfin, la voiture, le téléphone. Je peux ouvrir mon coffre directement grâce à mon téléphone également, puisqu'il n'y a pas de bouton pour l'ouvrir à part votre clé ici qui n'est pas une clé. Parce que la clé, c'est une carte qui ressemble à une carte de crédit également. Donc, dans le coffre ici, on a 111 litres environ. Ce qui me permet, moi, si je souhaite. Hop. Et pouvoir m'asseoir comme ça dedans, on peut mettre ses câbles de recharge ou autre. Après, quand on se recharge sur le superchargeur, on n'a pas besoin de câbles. Ou sinon, à la maison, on peut laisser ses câbles, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de volume dans le coffre. Dans le coffre à l'arrière, il y a plus de 800 litres. Assez fou. À l'avant, on retrouvera le triangle et autres dans la petite boîte Tesla, le crochet d'attelage, et ici, on aura de quoi remplir son lave-glace. Et pour refermer, à la main, tout simplement. Mais sur l'avant, comme vous pouvez voir, quelque chose de très très simple. On a ici des anti-brouillards sur le côté, les feux ici qui sont en LED, comme je vous disais, feux automatiques également. Sur le côté, on voit vraiment que la voiture est vraiment passée style SUV. C'est bien remonté, même si on retrouve comme un petit peu la Model 3, hein, pas mal d'éléments similaires. On a toujours des caméras ici, on a des caméras ici qui vont regarder vers l'arrière, celle-ci qui va regarder vers ici et sur le côté. Caméra à l'avant, caméra à l'arrière. On retrouve toujours ces poignées ici affleurantes de chez Tesla. Donc on appuie pour pouvoir sortir de cette façon. Quelque chose de très fluide, très épuré sur le côté. Pareil, juste cette ligne qui traverse ici et un pli de carrosserie à cet endroit-là. Les jantes en 21 pouces qui remplissent vraiment bien. Donc la voiture se ferme à chaque fois qu'on ouvre, puisque elle préfère pour la sécurité. Les Pirelli en P0 en flanc tendu, comme ça. On est en 275 à l'arrière, donc les flancs tendus, ça permet d'avoir plus une voiture plus incisive en virage, et on a des flancs assez bas avec ces grandes jantes en 21 pouces. Au niveau de freinage, des gros étriers à l'avant comme à l'arrière, même à l'avant, hein, on a l'impression que c'est un 2, ouais, c'est un gros 4 pistons à l'avant, et à l'arrière on a un gros étrier monobloc, alors je pense que ça doit être un gros 2 pistons. De ce côté-là, on a la trappe de recharge qui s'ouvre automatiquement lorsque pas quand on le fait comme ça, mais quand on approche ou sinon avec l'application, je peux ouvrir également cette partie. Donc on a le combo également et on peut recharger jusqu'à 250 kW. Sur l'arrière, comme l'avant et le reste de la voiture, quelque chose de très épuré, mais comme on a une modèle performance, ici on a cette petite lame carbone en carbone mat. C'est plutôt joli. Ça finit bien cet arrière. Logo Tesla, très simple. Les feux à l'arrière également en full LED. Quelque chose de très simple là, la caméra de recul. C'est peint jusqu'ici, ensuite on a une partie en plastique brut, les réflecteurs et une sorte de petit diffuseur assez atypique parce que il est plat. Bon, plutôt original. Pour ouvrir le coffre, hop, on peut voir les feux qui se sont allumés en LED. Le coffre, maintenant on a une tablette, avant il n'y avait pas de tablette et le volume de coffre de 845 litres, c'est jusqu'en haut. Donc on peut replier cette tablette de cette façon et dans le coffre, c'est assez spacieux. Bon, donc ce coffre plutôt grand, cette tablette amovible, on peut également rabaisser les sièges directement grâce au petit bouton qu'on a ici. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a encore un volume de chargement énorme à cet endroit. Regardez, j'ai un sac, deux sacs, trois sacs, plus encore un câble de recharge. Et regardez, quand je mets ma jambe, la profondeur qu'il y a ici à l'arrière.
ça, c'est seulement à cet endroit-là. Et regardez, je peux encore, sur le côté, mettre un avant-bras complet de chaque côté. Donc, niveau rangement, normalement, vous devriez être satisfait dans ce modèle Y. Alors, les places arrière, j'ouvre ma porte, il s'ouvre assez grand, c'est des verrouillages électroniques à chaque fois, comme le bouton ici, on pourra déverrouiller grâce à un petit bouton et ouvrir la porte. Alors, je rentre ici à l'intérieur, une assez grande ouverture, j'enjambe et je tombe dans un espace plutôt grand. Je vais enfermer ma porte qui est plutôt bien finie. Alors, pas de cuir chez Tesla, hein, il n'y a rien d'animal. Et je rentre alors dans un endroit où j'ai l'impression de me croire à l'aquarium, parce que là, c'est une bulle vitrée gigantesque. Elle est assez surteintée. L'été, c'est plutôt clair, mais c'est vrai qu'en hiver, alors c'est assez sombre, je ne vois pas grand-chose, mais ça fait tellement plaisir d'avoir un toit si panoramique. Et je pense que c'est un des plus grands panoramiques qui existent actuellement. Hein. Peut-être Porsche qui en fait un aussi grand, mais peut-être pas autant. À l'intérieur, je suis bien. Les sièges de l'avant, on voit qu'ils sont positionnés super haut, donc je peux mettre mes jambes en dessous, presque un peu comme dans une limousine, où il y a énormément d'espace. Les sièges sont plutôt bien, ils ont l'air assez conformes, vous le tenez. Ce qui est top, c'est que c'est une voiture électrique, donc plancher totalement plat, donc je peux voyager, balader mes pieds, changer de place très très facilement. J'ai deux ports USB-C ici, la climatisation à cet endroit-là également. J'ai de la place pour la tête, vraiment partout. Là, on peut voir que je peux vraiment me balader à l'intérieur sans aucun souci. On a trois places à l'arrière, trois sièges chauffants à l'arrière également, comme à l'avant, siège chauffant, plus le volant chauffant qui est de série à chaque fois. Fixation Top Tether Isofix sur les deux sièges d'extrémité. La troisième ceinture est ici également sur la banquette et on peut rabattre seulement la partie centrale si l'on souhaite. Pas de siège coulissant. Les sièges sont plutôt bien inclinés en arrière et je peux régler normalement sur plusieurs inclinaisons le dossier. Donc ça, c'est plutôt pratique lorsqu'on va faire de la route ou autre et hop, me remettre un peu plus en arrière. Moi, j'aime bien être positionné sur l'arrière. Bon alors, bienvenue dans cette Tesla modèle Y. Comme on reconnaît à l'intérieur, c'est très Tesla. Très simple, un volant rond. Un écran gigantesque de ce côté-là, la simplicité. Sur la porte, du moussé ici avec cette imitation cuir. Par contre, à l'intérieur, chez Tesla, pas de cuir animal. On ne tue pas d'animaux. Une sorte d'alcantara. Ici, cette partie façon bois qui traverse toute la planche de bord et qui vient jusqu'à l'autre côté. Pas d'éclairage particulier de nuit, à part au niveau des pieds. Avec un petit éclairage, mais sinon pas d'éclairage d'ambiance sur le côté. Les finitions correctes, c'est des voitures qui sont fabriquées en Allemagne maintenant, donc c'est plutôt pas mal. On a les assemblages qui sont bien, c'est propre et autres. Voilà, on a les pare-soleil sur le haut. Alors ce que j'aime bien, c'est ça, la façon un petit peu, vous savez, pochette d'iPad. Hop. Le rétroviseur ici. Sans bord et surtout on a une caméra maintenant à l'intérieur ici qui peut nous permettre de surveiller l'intérieur. Alors, hop, si ça va bien faire la mise au point, voilà. Donc ça c'est une petite caméra qui était positionnée là-haut. Si vous mettez le mode chien, vous pouvez voir l'intérieur ou en mode sentinelle également à l'intérieur. Le volant comme d'habitude, toujours du joystick avec la roulette comme ça et le côté plus on peut appuyer. On a la commande vocale en appuyant à droite et ici le volume est mute pour le son ou lorsque j'appuie, si j'ai activé, je peux faire des proutes dans la voiture. Derrière, on a les essuie-glaces. Si j'appuie une fois comme ça, ça me balaye. Si je mets à gauche, c'est mon clignotant. Si je mets à droite, c'est le clignotant avec cette nouvelle affichage de caméra d'angle mort. Et sur le côté, c'est quand même plutôt pratique. Sur la droite, on a la boîte de vitesse. Enfin, le sélecteur, j'appuie sur le frein vers le bas, je passe en drive, donc ce qui m'active ici directement et instantanément le mode drive avec la vitesse, et quand je repasse en mode P, vous voyez que ça rechange et ça m'enlève tout ça. Ensuite, je peux ouvrir le capot avant en appuyant ici, je peux ouvrir le coffre arrière. Donc là, par exemple, hop, vous pouvez voir que mon coffre s'ouvre, et si je rappuie à distance, je peux refermer le coffre, ce qui est vraiment pratique. Donc je peux le faire d'ici, pareil pour la trappe. Pour la recharge et le véhicule. Ensuite, tu peux faire défiler, alors pas ici, ça, les consommations, la musique, puisque maintenant on a le petit widget juste ici, et la pression des pneus. Ensuite, pour accéder au menu,
on a des raccourcis sur le bas qu'on peut personnaliser comme des petits widgets et avoir d'autres applications avec les trois petites choses. La Toybox, arcade, cinéma. Donc ça, c'est les petits jeux. Toybox, c'est en gros ce qui va coloriser. Le jeu de lumière, c'est la voiture qui fait l'animation, et etc. Boombox, ça, c'est pour faire du bruit à l'extérieur grâce ici au son qui va être reproduit à l'extérieur. Le contrôle anti-pollution, ça, c'est les... voilà, les petits proutes, etc. On peut faire de la musique, le mode romance, planche à dessin ou rouler sur Mars à la place du GPS sur la planète Terre. Quelques petites applications assez sympas. Et ensuite, donc, il y a arcade, il y a les jeux, cinéma, nouveautés. On a Disney+, maintenant. On a YouTube, Disney+, Netflix, Twitch et les Tesla Tutorials pour en connaître plus sur votre Tesla. On a les consommations de charge, la conduite. Enfin, voilà, ça nous dit qu'est-ce qui a consommé, qu'est-ce qui reste, etc. On a la radio. On a les caméras qu'on peut activer à cet endroit-là. On a le téléphone. Ensuite, on a le menu climatisation. Ici, donc, si je touche, avec volant chauffant, les essuie-glaces chauffants également. On peut mettre en mode auto, volant chauffant, les sièges chauffants, la climatisation qui fonctionne comme toutes les voitures. Ensuite, pour régler où est-ce qu'on veut être ventilé, mais on bouge comme ça. Et pareil, le flux, j'écarte ou je resserre de cette façon. J'aime bien, c'est plutôt intuitif. On a toujours les icônes ici pour changer la température. Le volume, c'est pareil. Je peux juste, de, ce rêve que de cette façon, longtemps maintenant, juste ici en tactile, ou sinon, si je veux aller plus vite, de cette façon, ou au volant. La radio, à chaque fois, pour refermer les applications, j'ai juste à faire glisser. Là, j'ai le GPS pour dire on rentre à Chambourcy, donc de la Normandie à Chambourcy. Ça me dit que voilà, il faut que j'aille au superchargeur de Caen. J'arriverai avec 18% dans 1h17 et 111 km. L'écran est ultra rapide, comme vous voyez, c'est super vif. Là, on est en mode satellite, on voit la mer. Là, je suis juste ici. J'ai du mal à dire le à Saint-Vast, je sais plus comment. Saint-Vast-la-Hougue. Voilà, avec la mer juste à côté. C'est franchement très très bien. L'écran est ultra réactif, peu importe ce que je fais dans la voiture, c'est toujours très rapide. Pas de problème, pas de lag ou quoi que ce soit. Enfin, je peux changer d'application. J'ai Spotify, j'ai la musique. Et c'est pareil dans les applications, on peut voir qu'on a Apple Music également maintenant. Donc, il faut se connecter avec son iPhone si on l'a. Tidal, c'est la musique très haute qualité. TuneIn, karaoké, le Bluetooth, le navigateur Internet. Navigateur Internet, pareil, vous pouvez aller sur mon site Internet si vous souhaitez. mecaniquesportive.fr, par exemple. Là, ah ben, on voit par exemple un des concurrents, un petit article sur le Kia EV6 ici, où je vous le présente également avec la vidéo. Et j'ai Arnaud de Mazier qui me fait des articles, par exemple, sur ça, où il me fait des belles photos et il vous fait un petit article sur cet essai. Et vous retrouvez toujours à chaque fois la vidéo de l'essai, comme vous pouvez voir actuellement. Donc, le site Internet, le navigateur Internet fonctionne lorsqu'on roule également. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai ici toujours les réglages de la voiture et je peux accéder à tous les réglages de la voiture si ça vous intéresse. J'avais fait une vidéo dédiée à cet écran sur la Tesla Model 3. Donc clairement, il n'y a pas grand chose de nouveau. Il y a juste, il me semble, la caméra là-haut en mode chien. Et on peut voir également dans logiciel sur les mises à jour, notes de mise à jour. Et là, on peut voir qu'est-ce qui a été mis, ajouté. Donc Apple Music, le mode chien où il y a la caméra maintenant, on peut le voir. Les jeux de lumière, on peut avoir ça également. La vitesse ventilation, clignotant automatique, on peut régler. Un nouveau jeu, le mode piste, qui est assez important sur une modèle performance. Donc ça veut dire on peut régler maintenant la puissance entre les roues avant et les roues arrière. Confirmation du transfert des appels, recherche des contacts, contrôle multimédia. L'antipollution depuis le mobile, ça veut dire maintenant je peux faire des proutes depuis l'application. L'arc-en-ciel, avec la voiture qui va rouler sur des pistes arc-en-ciel, et le mode sentinelle, donc pareil, qui maintenant affiche des caméras et je peux voir directement depuis l'appli, comme je vous montrerai dans cette vidéo. Nouvelle langue, et voilà, on voit à chaque fois toutes les mises à jour qui sont apportées. Donc là, sur celle de 2022, enfin de fin décembre 2022, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'améliorations qui ont été mises. Donc à chaque fois, je retourne ici. Et donc, les contrôles principaux, c'est les feux, les lumières, les essuie-glaces, etc. Replier les rétros, l'essuie-glace, vous voulez comment. La direction, pour régler la hauteur du volant, donc vous appuyez ici et ensuite vous jouez
Alors c'est lequel joystick? C'est celui-là. Regardez, le volant monte et descend, et pour l'avancer ou reculer, c'est sur le côté. Alors je trouve ça assez original. Et ensuite on peut enregistrer. Ensuite pédalier et direction, et ça c'est la puissance. Donc ça c'est l'accélération, est-ce que je joue en mode confort ou en mode sport? Là il y a une vraie différence, on a l'impression lorsqu'on a un confort qu'on a 200 chevaux et que là on a 500. La direction assistée plus ou moins lourde, le mode arrêt, rampage, roulement, le mode piste, donc le mode piste que je vais pouvoir activer là. Il me dit attention, il faut le faire seulement sur piste, et à ce moment là, donc j'active mon mode piste. Alors hop, sans faire exprès, j'ai appuyé là. Le mode piste, je sais pas si vous entendez, mais là, il est en train de réchauffer les batteries parce que le mode piste, eh bien, ça va tirer beaucoup sur la batterie. Donc, il faut qu'elle soit à bonne température pour pouvoir donner la pleine puissance à chaque fois. Je peux personnaliser mon mode piste. Programmation de l'écart. Donc là, hop, je peux le faire. Je peux créer un paramètre. On va l'appeler M. Créer des paramètres, et donc là vous pouvez voir gestion de la tenue de route, est-ce que je veux sur l'avant, est-ce que je veux 100% sur l'arrière. Donc je peux avoir soit une 100% traction, soit une 100% propulsion. Est-ce que je veux le SP qui va m'aider à rester sur la route, ou est-ce que je veux désactiver totalement le SP? Et là 100% arrière, ESP désactivé, je vais pouvoir faire du drift. Refroidissement après la conduite, ça c'est pour que la batterie refroidisse s'il y a besoin, et enregistrer les tours avec la caméra embarquée si vous êtes sur circuit, c'est plutôt pas mal. Allez, je referme, je vais enlever le mode piste puisque là ça va pas me servir. Assistance tout terrain, bon, au cas où on a besoin, et le slip start qui permet de libérer au cas où vous êtes dans la neige, le sable, c'est pour désactiver le SP et pouvoir rouler. La recharge, on voit que là j'ai 52%, je peux ouvrir le port de charge selon la puissance que je vais avoir. Je peux personnaliser ici également l'autopilote, en gros les vitesses, est-ce que vous voulez que ce soit pile poil à la vitesse, les freinages d'urgence et autres, vous pouvez régler ça là. Verrouillage avec les clés que vous enregistrez, l'éclairage, comment vous voulez que ça fonctionne, l'affichage, la luminosité, etc. Les trajets, voilà, on peut voir le trajet. Par exemple, là, le trajet A, on va dire la voiture, depuis les 7200 derniers kilomètres, elle a consommé 1500 kWh à une moyenne de 21,2 kWh aux 100 km. Ce qui est plutôt correct pour un SUV de cette taille-là. Et là par exemple on peut voir le trajet actuel sur les 15 derniers kilomètres sur les petites routes de campagne, j'avais une moyenne à 18,2 kWh. La navigation ensuite, est-ce que je veux les paramètres et autres, la sécurité, quand est-ce que la vidéo de Sentinelle se met, combien de temps, etc. Est-ce que, oh, j'ai touché un peu trop bas, la dashcam, alors c'était là dans sécurité, vidéo de dashcam, etc. La voiture peut enregistrer en cas d'accident et autres. L'entretien, ça me donne la pression des pneus ici, et mode lavage, remorquage, etc. et s'il y a besoin, et le logiciel. Donc voilà, en gros, cet écran de cette façon assez simple. Le GPS très simple, on note ici, c'est Google Maps qui marche, ça marche très très bien, c'est connecté tout le temps, la voiture, les réglages, les raccourcis, voilà, vous savez un peu tout, il n'y a pas de raccourci comme ça, il n'y a pas de raccourci comme ça, il n'y a pas de raccourci comme ça, en fait, tout est vraiment centralisé, un peu comme Windows avec la barre en bas, et c'est plutôt pas mal. Ensuite, à l'intérieur, moi ce que j'aurais bien aimé, ce qui aurait été parfait, ça aurait été d'avoir un petit affichage tête haute avec la vitesse ici, ça aurait été juste parfait pour moi, plutôt que de regarder en fait dans le coin ici. On s'y habitue, mais j'aurais adoré avoir juste un petit affichage tête haute là-haut. Volant très simple, quand je vous montrais ici, on a double chargeur par induction, donc quand je pose mon téléphone ici, il va se mettre à charger, donc ça met un petit délai le temps que ça s'active, et ensuite, hop, voilà, mon téléphone se met en charge. Pas de prise ou quoi que ce soit, c'est vous posez votre téléphone et c'est parti. Ici, on a un très grand bac de rangement, on peut mettre pas mal de choses, assez pratique, qui est éclairé également. Double porte-gobelet. Un autre rangement ici, où on pourra retrouver une prise 12 volts à l'intérieur. C'est éclairé également. Donc là, au niveau des rangements sur la console centrale, il y en a pas mal en fait dans toute cette partie. Le pédalier, je ne vous ai pas montré. Pédalier en aluminium sur cette version en performance, sinon c'est en plastique et caoutchouc. Dans les portières, donc portières de cette façon, la Alcantara, pour ouvrir la porte, c'est ce bouton ici. Vous voyez, c'est électronique, donc j'appuie, hop, ça m'ouvre la porte. On a fait le test avec Fred sur l'autoroute, ça ne s'ouvre pas lorsqu'on appuie et qu'on roule. Et au cas où, on a un déverrouillage manuel en tirant juste ici. On l'a sur les quatre portes, ce déverrouillage manuel, mais sinon c'est électrique partout. Le tableau de bord, très simple comme je vous montrerai, hop, et la vue. Comme ça, en fait, moi je trouve que ça fait vraiment très très futuriste à ce moment-là.
La boîte à gants, il faut aller dans le menu ici pour pouvoir l'ouvrir. Des rangements un peu partout. Les sièges ressemblent à ça. En option, on a soit les sièges blancs, soit les sièges noirs. Après, à vous de voir ce que vous préférez. Je vous avoue que moi, le blanc, je les trouve super. Moi, ma config, ce serait rouge intérieur blanc. Ou bleu intérieur blanc, que je trouve canon. Plutôt sympa. Et le truc le plus fou de cette voiture, c'est ce grand toit panoramique. Alors, je pense que c'est le plus panoramique des toits de voiture. Si vous en connaissez un plus panoramique, n'hésitez pas à me le dire. Je pense pas qu'il y ait. Gigantesque. Et c'est pour ça, la pièce en verre dont je vous parlais à l'extérieur fait vraiment tout l'intérieur. La vue sur les sièges arrière ressemble à ça directement, vue d'ici. Et puis, ben, il reste plus qu'à aller l'essayer cette voiture. Hein. C'est parti. Allez, let's go. Je vous emmène avec moi. Bonjour Fred. Salut Nico. Bon, on est chez Tesla. On vient de récupérer cette voiture. Donc, je vous ai déjà fait la présentation. Mais là, en gros, là, on va faire le trajet. On va jusqu'en Normandie. Ah, j'ai aucune idée du nom de comment ça s'appelle. On ne le dira pas. Voilà, sur la pointe là-bas, là. On va aller se recharger à Caen, donc on part de Paris-Chambourcy exactement. On va aller se faire une recharge à Caen, on a 216 km. Donc là, la voiture est à 98%, soit 473 km annoncés. On a un planificateur qui me dit que j'arriverai avec 29% dans 216 km. Et bien sûr, il y a un gros bout d'autoroute. Donc forcément, l'autoroute, hein, on le sait, avec les voitures électriques, ça consomme plus que si on fait de la ville ou à basse vitesse, un peu comme toutes les voitures, plus on roule vite, plus ça consomme moins. C'est vrai qu'un diesel sur autoroute, on peut des fois consommer un peu moins, mais c'est pareil, si vous avez un diesel, vous roulez à 70 au lieu de 130, bah, vous consommerez quand même moins. C'est clair. Dans tous les cas, c'est il n'y a pas de magie, quoi. Non, c'est clair. Donc, on est parti avec cette voiture, modèle Y Performance. On va voir si elle a la performance. c'est le mot performance avec Nicolas, c'est un problème, voilà. Ça. Donc pour démarrer cette voiture, déjà la carte, c'est enfin la clé, c'est mon téléphone. Je le pose ici, j'ai le chargeur par induction, tout qui va bien. Là, il recharge. On n'a pas l'Android Auto ou le CarPlay dans cette voiture. Ok. C'est le système ici qui va fonctionner tout seul. On a mis la carte, c'est avec Google Maps partout. On a la vue satellite partout. Enfin, c'est hyper bien fait. Moi, je trouve ça plutôt cool. Drive. Drive. La voiture se met en condition et on part dans le silence. Dans le silence. Moi, je suis content de faire cet essai avec toi parce que du coup, je découvre Tesla totalement. Je connais bien les voitures électriques, mais pour le coup, je découvre Tesla. Donc, je suis content de le faire avec toi. Bah, avec grand plaisir, Fred. Et Fred, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. C'est Fred Ouivet. Et Fred, il fait le championnat de France de drift. C'est un très bon pilote. Il est coach aussi. C'est mon coach. Vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos pour ceux qui regardent. Si vous avez besoin d'un coaching, vous n'hésitez pas. Avec grand plaisir à me contacter de la part de Nicolas. Ça me fera très plaisir de répondre à cette demande. Tout à fait. Allez, on y va. On part dans le plus grand des silences. Nouvelle mise à jour, c'est les clignotants. Lorsque je mets le clignotant, j'ai l'angle mort qui s'affiche ici. Comme ça se faisait chez Hyundai et Kia. Je trouvais ça plutôt cool. Pareil, on peut mettre juste une impulsion, il va me laisser le clignotant. Donc ça, c'est dans les nouvelles mises à jour qu'il y a eu. Il y a les mises à jour de Holiday, à chaque fois qu'ils appellent ça, c'est pour les vacances de Noël. Et ils vous mettent des nouvelles mises à jour comme celle-ci, par exemple. C'est top. Donc, moi, je trouve ça bien, cette caméra. Et vous avez vu, donc quand je remets le volant à l'endroit, ça désactive. Donc là, il faudra se mettre à gauche. Et on va tout de suite commencer par... Par la performance. Pour s'insérer, il n'y a pas trop de problème d'insertion. Voilà. Et je crois que je suis en mode normal en plus. Là, je suis même pas en mode puissance. Et il y a un mode piste qui a été mis à jour à Noël en même temps. Parce que Elon Musk, il nous a dit, c'est Noël. Les c'est gars. Noël, on va se faire plaisir. Voilà. Alors, moi, ce que j'aime chez Tesla, c'est tout de suite, je vais cliquer deux fois comme ça. Ça me met les lignes bleues et ça vient. Et c'est bon. Voilà. Tesla, c'était un des premiers à vouloir lancer cet autopilote et autres. Donc là, on a l'autopilote amélioré. Il y a la version aussi qui va dans le futur conduire automatiquement toute seule. Vous partirez de Tesla, vous dites je veux là-bas et bon bah sieste. Mais déjà, cet autopilote fonctionne déjà très bien. Ouais. On a le régulateur adaptatif, on a le maintien de cap et autres. Là, il m'a lu les panneaux, donc 50 ici. Il s'est mis à 50. Très bien. C'est plutôt pas mal. Gère très bien. Bon. Après là, on a un panneau 70 qui va se remettre. Donc on peut en redépasser un petit peu. On a un merveilleux contrôle de radar. Ah non, je pensais. C'est vrai, ça ressemblait un peu à une voiture. Ça ressemblait un peu à une voiture contrôle. Ouais. Donc, ça détecte bien toutes les voitures et autres. Alors, je trouve
trouve que c'est super bien fait. Ça détecte si c'est un camion, si c'est une moto. C'est quand même assez agréable. Et même juste avoir le régulateur adaptatif, là par exemple, c'est moi qui ai repris la main sur le volant. Bah, j'ai toujours pas touché à mes pieds en fait depuis qu'on a activé. On est dans une voiture où l'insonorisation est plutôt bonne. Je vais me régler bien mon rétro. On n'a pas une très très grande visibilité sur l'arrière. Hein, là, il s'est arrêté totalement. Ça, c'est étonnant. Normalement, d'habitude, elle continue. Alors, je préfère qu'elle s'arrête qu'elle continue, perso, parce que plutôt que de rentrer dans l'embout et faire n'importe quoi, le fait qu'elle s'arrête, bah, je préfère ça. Ouais, tu analyses ça. Ouais. Hop, à chaque fois, bah, ça, j'aime bien. Là, ça, c'est pas mal. Cette petite caméra, tu vois les angles morts. Tu vois l'angle mort, il est pas mal. Ouais. Tu te vois ton trottoir. C'est vrai que des fois, tu sais, t'as des sorties de rond-point en cours, ouais, c'est très serré et tout. Ça peut être, c'est pas mal. C'est agréable. Donc là, on a 70. C'est plutôt calme. On a un peu de bruit de roulement. Un petit peu. Pourtant, donc là, on a des pneus sportifs, mais ouais, ils ont mis de la mousse dans ces pneus. Okay. Pour justement réduire les bruits de roulement. Après, on a des P0, des Pirelli P0. Donc ça colle quand même bien la route. C'est des pneus de sport, hein, qui se montent sur des Ferrari ou ce genre de voiture, mais spécifiques à cette Tesla. Bon, je sais pas pourquoi je conduis Fred. On va la laisser conduire. Tu vas quand même laisser une petite main de temps en temps. Oui, voilà. Bon, on est obligé de laisser les mains en France. Sinon, la voiture va vous prévenir plusieurs fois. Ensuite, au bout de 3 avertissements où vous n'avez pas écouté la voiture, elle ne met plus les aides à conduite. Il faudra s'arrêter, mettre le mode parking. Et à ce moment-là, vous pourrez repartir. Eh ben. Et oui, on est sur un ancien texte de loi, si je dis pas de bêtises, qui est avant les années 60. Et on n'arrive pas à passer outre ce texte de loi. Donc aujourd'hui, les voitures sont capables de faire de l'autopilote, hein, tout à fait. Parce qu'aux États-Unis, ça le fait. Hein. Ouais, pas de problème. Mais non, on est toujours sur une réglementation ancienne où on n'arrive pas à passer outre pour le moment. On y arrivera. On y arrivera. Oui, mais les voitures sont tout à fait capables, on le voit très bien de toute façon, elles sont tout à fait capables d'avoir cette conduite autonome ou en tout cas pour le moment semi-autonome. Carrément. Non, ça se débrouille plutôt bien. Le côté électrique, bah, c'est agréable. Hein. Oui, c'est vrai que c'est sympa. Je pense qu'au quotidien, il n'y a rien de mieux pour moi. Je suis assez d'accord avec toi. On aime les moteurs thermiques, mais ouais, la conduite d'un véhicule électrique. Chez Tesla aussi, il y a le One Pedal Drive, okay, donc qui va jusqu'à l'arrêt. Et ça, c'est bien. Avant, on pouvait régler la force de récupération. Maintenant, on ne peut plus le régler. Okay. Mais en anticipant bien, normalement, on arrive à bien se débrouiller. Et oui, ça, c'est une réelle habitude à prendre. Hein. Au début, ça va donc, faire bizarre. Gros, les... Ma jambe gauche reste toujours là. Je joue qu'avec mon pied droit. Et je peux jouer juste avec l'accélérateur. Et là, tu as vu, comme on était dans les embouteillages, elle a détecté la voiture qu'il y avait devant. Et en fait, elle ne m'a pas mis un freinage fort comme si j'étais un stop. Elle a genre une petite douceur. Ouais. Et si on recommence là, par exemple, hop, tu vois, sur la fin, en fait, elle y va tout doucement parce qu'elle détecte la voiture devant. Elle ne veut pas que vous preniez un choc. Et ça, comme on le ferait nous, en fait, presque. Exactement. Voilà, pas un arrêt. Mais elle le fait encore mieux que nous, au final. Okay. Parce que regarde, là, je le refais. Elle sait qu'il y a voiture de devant. Mais tu vois, nous, on aurait pu se freiner, on aurait bloqué les freins. Ouais, c'est ça, alors qu'elle, elle l'anticipe avec les moteurs. Ouais. C'est pas mal. Et en fait, c'est ça, plus ça, c'est toutes ces petites choses qui font que ça en vient super confort. Ouais, complètement. Complètement. Et tu vois, là, enfin, on voit toutes les voitures qui passent. Et elle repart. C'est pas à toi de la relancer. Non, là, c'est moi qui ai reparti. Ah, c'est toi qui repart. Parce que là, je suis en conduite manuelle. Ok. Mais c'est assez agréable. Et les caméras, elles détectent chez Tesla jusqu'à 250 mètres devant et derrière. Ok. Donc, c'est quand même assez bluffant. Moi, j'aime bien les Tesla en vrai, c'est quand même bien. La finition est plutôt pas mal. Ouais, c'est assemblé en Allemagne maintenant, c'est plus tout aux États-Unis. Et c'est vrai, ça a l'air bien. C'est très épuré, c'est très simple. Ouais. Très très simple, très épuré. Ouais. Avec le seul écran ici, moi j'ai rien pour moi. Ouais, t'as rien du tout. Mais en même temps, t'en ressens pas spécialement le besoin. Non, je n'ai pas le besoin. Je vois ma vitesse, tu vois, ici, qui est proche du compteur en vrai. Ouais. Et ça me suffit. Hein. Bon, regarde, là Fred, on va faire un 60-130. On va laisser passer le camion et. Oh! On est déjà à 130. C'est bluffant quand même. Ouais, c'est assez rapide. C'est assez rapide. Et t'es encore en mode classique. Ouais, c'est assez bluffant. Ouais. Donc, là, je vais me mettre régulateur 130. Elle a lu le panneau. Elle sait que c'est 130 ici. Puis bah, je crois qu'on est parti pour l'autoroute. Ça y est, là, c'est parti pour quelques heures de trajet. Hein. C'est bien, c'est un bel essai là. Carrément. Donc, on va vous donner en même temps les consommations qu'on va réaliser sur l'autoroute. Donc, vous avez vu, on n'a pas fait grand chose. On est vraiment parti de chez Tesla depuis le début. On est à 9 minutes. Et là, c'est de l'autoroute. Donc, clairement, de l'autoroute, la voiture gère toute seule. Ouais. Sur autoroute également, quand on va mettre le clignotant,
elle va pouvoir me proposer, si je suis à droite, de doubler. Okay. J'aurai à mettre le clignotant et ensuite elle se remettra bien dans la ligne. Pareil, si je mets le clignotant et que je change de voie, elle va enlever le clignotant automatiquement. Par exemple, là, regarde, je vais retourner à droite. Donc là, je me mets à droite, hop, je mets mon clignotant, j'arrive dans la file. Dès que je suis dans la file, elle l'a enlevé toute seule. Donc, sur autoroute, souvent, tu sais, on doit le renlever. Oui, oui, c'est vrai. Et bah, ça, plus ça, tu vois, en fait, c'est tous ces petits plus que j'adore. Et après, donc là, il faut le réactiver parce que j'étais pas dans le bon mode. Mais là, veuillez garder le mouvement sur le volant. Oui, d'accord, très bien, chef. Et là, si je lui dis, va à droite. Donc là, la voiture, moi, je tiens juste le volant. Elle fait la manœuvre d'elle-même. Ah, elle a cru qu'il fallait sortir. Ouais, parce que je l'ai fait sur une sortie, mais elle s'est remise là. Ouais. Pas mal. Bon, bah on vous donne des nouvelles quand on arrive à Caen. Si on arrive bien à. Tu vois, elle disait 29% tout à l'heure, là on arrivera à 32%. On est à 32%. Mais ça, alors, ça c'est un truc qui est important. Véhicule électrique, ça te donne des estimations par rapport au trajet précédent. Tu vois, donc si tu as eu un trajet précédent où quelqu'un avait le pied très très lourd, accéléré en permanence ou autre, tu as une estimation qui est forcément basse. Et puis dès que tu roules avec ton véhicule, cette adaptation, elle se fait tout de suite. Donc là, bah, on en a la preuve formelle. Hein. Regarde, on passe hop, à 32%. Puisque là, voilà, là, ça prolonge un petit peu notre pourcentage. Exactement. Donc bon, on vous reprend au superchargeur. Et on vous montrera un petit peu les jeux vidéo qu'il y a là-dedans. Bon, à tout de suite. Bon, on arrive à un péage. Donc, qui dit péage dit mode sport, direction assistée. Bon, je laisse comme ça, mais je mets l'accélération sport. Après, on peut même mettre le mode piste, mais on fera ça sur les petites routes tout à l'heure. Tu aurais pu mettre ton clignotant par exemple. Pourquoi? Bah, avoir l'angle mort, voir si tu étais proche de la bordure. Tu vois, t'es prêt? Oui, c'est bon. Ouf! Oh la vache! Et on est à 100. Et on est à 130. Ouais, ok. Et ouais, plus personne derrière. Il a fallu une centaine de mètres, même pas. C'est assez déroutant quand même. Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant. On s'y habitue, enfin nous, on a cette habitude d'essayer des grosses voitures. Mais ça reste quand même toujours assez dingue en fait. En fait, dans ce calme et dans ce. Ouais, en si peu de performance aussi impressionnante. Mais ouais, c'est assez bluffant quand même. Ça, le moteur électrique, c'est vraiment scotchant, c'est un interrupteur, hein. C'est on-off. Là, on en était déjà à 130. Ouais. Et en fait, même à 130, ça relance encore. Ouais, bah, 10 km/h en 2 secondes. Et celle-là, elle est bridée à 250. Mais 250, ça commence à faire quoi. Ah bah de toute façon. Après, au bout de 160 km/h, 180, ça commence à se calmer un petit peu. Un petit peu et ouais, c'est normal. Alors, malheureusement, on est en France, on va pas pouvoir vous montrer. Ah, non. Mais le 0 à 100 déjà est quand même assez bluffant, même le 0 à 200. Ouais. Ça y va franchement bien. Ouais, non, c'est vrai que c'est impressionnant. Pour ça, c'est vrai que le véhicule électrique est scotchant. Pour ça, c'est une vraie performance. C'est ça. Et on peut rouler un peu plus vite et ça coûte quand même toujours moins cher que l'essence. Donc en vrai, quand on s'amuse, ça peut en fait être à la fois un véhicule utile tous les jours et un véhicule plaisir parce que ça marche. Et on va voir sur les petites routes. Je vous montre ça demain matin. Vous allez voir, c'est plutôt agréable. On est arrivé dans un petit village avant de vous faire la supercharge. Alors, niveau maniabilité, c'est pas trop mal. Alors c'est pas ce qu'il y a le meilleur rayon de braquage, mais on sent qu'on a quand même un gros gabarit. Et là je suis dans des petites rues, mais genre vraiment petites. Voie piétonne. Voie piétonne, ça? Bah je sais pas, il y avait marqué. Non, pas là, c'est l'autre. T'as raison. Non, c'est moi, c'est là. Ok. Bah, c'est vrai que c'est quand même un petit peu étroit. C'est bien ça. Très bien. Ah, c'est très très étroit la Fred. Bah oui. Alors mets ton clignotant, tu verras ton bas côté. Non. Ah non, tu vas non. On voit le côté-côté. On voit le côté-côté. Alors, est-ce qu'on a des caméras 360 là-dessus? Si je mets la marche arrière. Ah, là, je l'ai comme ça. Mais si je passe en avant, ça se désactive. Par contre, tu peux activer tes caméras comme ça. Il y a des caméras comme ça. Mais c'est la caméra derrière. Il n'y a pas les caméras vraiment 360 comme... Après, là, tu as ta caméra de chaque côté. Ouais, mais tu vois, je vois pas les trottoirs. Ah. Ça, tu vois, j'aurais bien aimé voir mes trottoirs, par exemple. Mm-hmm. Parce que là, c'est serré quand même. Bah là, tu vas tout droit, tu regardes loin. Oui, marche arrière, ça marche pas bien, ça. Allez, hein. Oh. Là, tu regardes loin, tu vas tout droit. Oui, bah oui, je regarde loin, là. Et surtout... Allez, Nicolas, non. Je le vois que t'as regardé. Ah si, on voit les roues arrière. Ah oui, tu vois tes roues arrière, regarde. Ça va aller, on n'est pas très très loin. T'as hein. 5 cm à droite et 7 à gauche. Comment ça, on n'est pas loin? Oh.
T'es large là. C'est quoi ce regard Oh, je t'ai appris de regarder loin normalement là. Oui, oui, bah depuis minuit. Elle est pas contente. Mais elle est pas contente, mais ça passe. Sans problème. Vas-y là, regarde loin, regarde mais pas ta caméra. Ça passe sans problème. Mais tu le vois bien. Mais maintenant, t'as 5 à gauche et 7 à droite. On dirait que le bouchon de Val va frotter le trottoir. Mais non, c'est dans ta tête. Oui, oui, bah oui. Hein. À défaut d'être dans les jantes, c'est dans ta tête. Là. Regarde, là, t'as encore plus d'espace là. Non, mais je regarde les rétros, le truc, j'ai l'impression que ça touche. Mais non, c'est un effet d'optique. Oui, oui, bah c'est optique bien. Oui, bah regarde loin. Oh Fred, je vois la statue de la liberté. Toute petite, bien sûr. Eh bien voilà. Voilà. Hein, bah c'est passé. Oui. Bon. Bon. Hein. Voix piétonne, pas piétonne, piétonne, ça passe. Voilà, bah hein. Bon. Ça passe. Mais c'est vrai que c'est quand même un assez gros joujou. Hein. Ça se fait bien. Mais oui. Alors là, on est sur la route. Passe dans une ambiance un petit peu plus sombre comme vous pouvez le voir et l'écran est passé en noir de nuit pour ne pas se faire éblouir. Et surtout ce qu'on peut voir c'est qu'on arrive bientôt à un superchargeur, donc la batterie se préconditionne pour pouvoir accepter la puissance maximum dès qu'on va arriver pour la recharge et rester le moins de temps possible au superchargeur. Bon alors on vient d'arriver au superchargeur à Caen, on a réalisé depuis la recharge, donc quasiment depuis le départ, 222 km, on a consommé 51 kWh, on a une moyenne à 22,8 kWh au 100 km. Ce qui est plutôt correct parce qu'on a fait quasiment que de l'autoroute à 130 km/h, plus un petit peu plus, on a fait quelques accélérations, on a fait un petit détour. Pour une voiture de ce gabarit-là, un SUV de 2 tonnes, c'est plutôt correct. Donc maintenant, on va passer à la phase recharge et ensuite, on continue notre petit périple. Alors, quand on est arrivé, il me disait que pour arriver à destination, on serait à moins 4%. Si je veux arriver à destination avec de la batterie, donc il me reste seulement 10 minutes pour pouvoir arriver jusqu'à l'endroit où je souhaite aller, au bout de la Normandie. Donc là, je suis à 32%. On voit qu'ici, on a des bornes 150 kW. On recharge à 144 kW ici. Donc, ça veut dire que chaque heure, je pourrais recharger l'équivalent de 800 km environ. Donc là, déjà, depuis quelques, même pas une petite minute, j'ai rechargé de 3 kW. Ce qui est bien avec Tesla, c'est juste on a plugué, on n'a pas de carte ou autre avec les superchargeurs et on recharge. Et on peut voir que là, on est sur un petit endroit où il y a d'autres copains. Et là, je peux voir aussi en gros que j'ai assez de charge pour continuer. C'est écrit en gros sur l'écran. C'est plutôt pas mal. Donc là, on a la voiture qui charge. J'ai mon application, je peux verrouiller, déverrouiller la voiture. Et ce qui est bien, c'est que là, par exemple, j'ai le mode Sentinelle que j'ai activé. Donc j'ai les caméras en direct de ce qui se passe autour de la voiture. Grâce au réseau qui est inclus dans la voiture, donc je peux voir par exemple là ce qu'il y a devant, je peux voir ce qu'il y a sur les côtés également, donc on voit la connexion et les voitures qui passent, je peux mettre un petit coup de klaxon, je peux allumer les feux et mettre des petits clignotants, je peux également faire le petit voilà, bon ça c'est le truc totalement débile, mais également je peux parler à la voiture, qu'est-ce que tu fais ? Et vous entendez, en fait, ça le fait vraiment avec un bruit qui fait flipper. Et quand je m'approche, elle met un petit signal sonore. Eh oh, t'approches pas de ma voiture. Eh oh, t'approches pas de ma voiture. Tu vois, si par exemple, t'es très loin, t'es à l'autre bout du monde. Ou même, eh, c'est super comme alarme ce truc. Je te vois, je suis ton père. C'est totalement débile. Mais en vrai, ça peut être carrément utile parce que avec le mode Sentinelle, il se passe quelque chose. Vous êtes averti sur votre téléphone, ça vous fait en même temps caméra de sécurité et vous pouvez parler. En plus de loin grâce à ça. Et on a également le truc dans la voiture qui sert de dictaphone, enfin porte-voix. C'est plein de petites options comme ça qui sont assez rigolotes chez Tesla. Bon, on est arrivé vers la Normandie, on a fait un petit dodo. On continue, je vais vous faire un petit débrief ensuite des consos, mais là on a une petite route assez sympa où on sent qu'il y a du couple quand même en virage. Ouais, faut faire attention. La voiture nous récupère quand même, mais les accélérations sont toujours assez phénoménales. Et les freinages aussi. Les freinages, ça marche bien. Alors là, c'est humide. On a. Ah bah, c'est la Normandie. Voilà, c'est la Normandie, effectivement. On n'a pas forcément de quoi faire chauffer les pneus ou autre. Plus, bon, il fait assez froid, c'est l'hiver. Donc, il faut quand même faire attention lorsque vous voulez vous mettre à bon rythme sur de l'humide. Sur le sec, ça colle super bien. Mais en fait, on voit que la voiture. Elle prend pas de roulis ou quoi que ce soit. Elle bouge pas trop, ça va. Et je suis assez bluffé. Ouais. Parce qu'on a quand même un gros SUV de 2 tonnes. Les accélérations sont juste dingues.
niveau accélération, c'est clairement hein, une Porsche. Ouais, enfin, c'est pas un Taycan, hein, mais c'est clairement équivalent à une Porsche, une voiture sportive. C'est une voiture sportive en termes d'accélération et de feeling. Ouais, c'est clair. Et même au niveau de la direction, moi je suis assez bluffé parce que c'est plutôt direct. Ouais. Et enfin, moi ce qui me bluffe surtout, c'est que la voiture elle prend pas de roulis, quoi, même si. Enfin, tu vois. Ouais. Elle s'appuie un petit elle peu. Elle s'appuie mais, un peu, mais ça, c'est vrai qu'elle elle bouge pas. C'est assez bluffant, quoi. Ouais, ouais, et on sent que c'est plutôt incisif. Et les accélérations. Ça, je crois qu'on s'y fait. Ça, en fait, si vous aimez accélérer, effréner, accélérer, mais en fait, c'est toujours assez bluffant. Alors, par contre, là, on est en train d'exploser la batterie. Le statistique ouais, de la batterie. Mais, ouais, ce qui est normal. C'est... On serait avec une thermique, ce serait pareil. Vraiment, oui. Mais ça, là, moi, je pense que je m'en lasserai jamais parce que on en essaye hein, des belles voitures oui, électriques. Oui, oui. Et ça, t'aimes bien ça. Et ça rend débile. T'en sûr que. À chaque fois, je perds des neurones et bientôt, j'en aurai bientôt plus. Mais le problème, c'est que tu vas faire pareil avec tes passagers. Hein. Mais voilà, même en virage et en conduite dynamique, ça peut être une voiture plaisir, comme on le disait en fait. Et en accélération, là, je suis en mode normal, je suis pas en mode circuit. En mode circuit, on peut même jouer sur la répartition, plus à l'arrière, plus à l'avant. Et on peut limite en faire une voiture où on va glisser un petit peu. Bon, après, attention à vous, quoi. Il se referme celui-là, tu feras attention. Oui. Parce qu'on serait dommage de finir dans l'eau là-bas. Ouais. Mais et puis, ouais. Et on voit que en vrai, ouais. Eh, franchement, c'est agréable. Hein. Là aussi. Ouais, c'est sympa. Hein. Alors après, certains diront qu'il manque le bruit pour un côté sportif. Ouais. Mais moi, je dirais que en fait, il y a ce côté sympa aussi de fait que bah. Puis tu l'as, regarde, quand tu mets les gaz, ouais. On a cette petite sonorité ouais, électrique. Petit... Regardez, voilà. Écoutez bien. Exactement. De ce qui va dans les moteurs. Exactement. Ouais. Du coup, t'as quand même ce côté sensationnel qui est additionné. Hein, heureusement qu'il y a un petit... Parce que c'est vrai que s'il n'y avait rien du tout... Ça ferait bizarre, mais là, on a le... Voilà. Ce truc de vaisseau spatial. Ouais, quoi. C'est vrai. Mais du coup, ça t'apporte une sensation supplémentaire. C'est vrai. Non, mais le problème, c'est qu'on va beaucoup trop vite. Là. Mais ça va trop vite, trop vite. On s'en rend pas compte, mais on arrive à des vitesses. On se dit, mais il faut pas faire ça. Non. Et là. Non, mais d'un autre côté, tu vois, bon, tu te fais quelques petites accélérations, ou alors tu as besoin de doubler pour une situation un peu d'urgence ou autre. C'est dans l'urgence, quoi. C'est, ouais. C'est urgent. Ouais, là, c'est urgent. Il y avait un petit lièvre à doubler. Ah ouais, oui. C'est urgent. Non, mais franchement, même en conduite dynamique, elle est plaisante. Ouais. Et sur le sec, je pense qu'on peut se faire vraiment plaisir. Oui. Parce que là, c'est humide. Ça fait 2 tonnes, donc faut faire attention. Mais sur le sec, avec ces pneus-là, ça colle quand même super bien. Bah même sur l'humide, là. Hein, même sur l'humide, en vrai. Hein, même sur l'humide, parce qu'on roulait à des bons rythmes. Ouais, il n'y a pas de patinage, il n'y a rien. Ouais. C'est la et bah là, par exemple, là, voilà, c'est tout humide. Et on s'arrête, on est en plein milieu de la route, mais il n'y a absolument personne. Et on voit, et là... Pas de patinage. On est à 100. Ouais. Et zéro patinage. Enfin, patinage. Ça l'a super bien fait, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Je pense que c'est aucun patinage. Ouais. Bon alors, nous voici arrivés en Normandie avec ce modèle Y. Comme vous avez pu le voir, on a fait tout type de route. On a fait de l'autoroute, de la petite route, un petit peu plus sinueux. Et eh bien, comme les autres voitures Tesla, hein, ça se débrouille super bien. Les superchargeurs, ça a quand même ce côté avantageux de on arrive, on se branche et ça recharge la voiture automatiquement. On n'a pas besoin de carte ou autre. Ça, c'est un vrai plus. 73 000 euros pour cette version. On a une voiture qui est quand même plutôt complète, des systèmes qui fonctionnent bien, des aides à la conduite assez agréables au quotidien. Une bonne auto, hein, au final. Les finitions sont plutôt correctes. Les performances sont absolument là. Plus de 500 chevaux, hein, un équivalent de 530 chevaux, largement suffisant. On aurait pu faire directement Chambourcy ici. On a décidé de s'arrêter puisque après il fallait continuer, on n'avait pas de chargeur à l'arrivée. Mais en prévoyant un petit peu votre trajet, bah ça se fait plutôt bien. Au niveau de l'espace intérieur, je pense que niveau coffre, c'est imbattable. On a le coffre à l'avant plus le coffre à l'arrière. C'est largement assez spacieux. On est bien à l'intérieur, on peut mettre 5 adultes. C'est mieux qu'une Tesla Model 3, même si c'est le même châssis. Mais en fait, on se sent bien parce que c'est beaucoup plus haut, c'est beaucoup plus grand. Donc, si vous êtes une famille, je conseille plutôt celle-ci. Au niveau des consommations, sur l'autoroute, on était à 23 kWh au 100 km. Donc ça, à 130 km/h constant. Lorsqu'on passe
à du 110, on descend plutôt pas mal. Et on était aux alentours des 19, parce qu'on a fait à peu près 100 km en étant sur des routes à 110. Et ensuite, oulala, vous voyez, ça souffle un petit peu. Sur des petites routes ici, où ça ralentit un petit peu, il y a des petites traversées de village, on était aux alentours des 16-17, ce qui est plutôt correct. Et lorsqu'on était en conduite dynamique, on était aux alentours des 35, mais vraiment en forçant assez fort. Donc voilà, moi c'est une voiture qui me plaît bien, la Tesla, assez agréable. Au quotidien, c'est le top, c'est facile d'utilisation. Vous rentrez dans la voiture, votre téléphone sert de carte. Vous approchez, vous ouvrez, hop, drive, c'est parti. Vous avez marqué parking, vous sortez de la voiture, ça y est, elle est fermée. Et en vrai, c'est quand même cool. Et toutes ces mises à jour qui ont été effectuées sur le Holiday Update, le mode circuit, etc. Un vrai plus parce qu'on peut quand même s'amuser. Et c'est à la fois une voiture du quotidien, une voiture plaisir. Bon, j'espère que cet essai vous a plu et que le paysage vous ravit comme moi parce qu'on en profite même si ça souffle un petit peu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao et n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, tout ça. Bisous.